Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec plein de beaux monde. Aujourd'hui on est là pour une vidéo qui va être très cool et à la fois très informative je pense. Je suis avec Mijirachi. Coucou. Je suis avec Sora. Bonjour. Première Bonjour. Vidéo avec Sora. Ah je suis timide. Il est chaud, regardez-le. La star montante, hein, oh, et bon, un dinosaure un peu comme moi. Julien Dachaud aussi, sa nouvelle chaîne, n'hésitez et pas. C'est moi, normalement vous me connaissez, mais peut-être pas, n'hésitez pas à vous abonner. On a mis les moins connus au premier plan et à l'arrière-plan les plus connus en fait. Exactement. Ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo, mais en réalité il y a plusieurs vidéos étant donné qu'on a tourné une vidéo pour chacune des chaînes. Au moment où celle-ci sort il y en aura au moins d'autres. C'est possible, au moins 10. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à les voir dans les jours qui arrivent, dans tous les cas il y aura une vidéo aussi sur la chaîne de Sora, il y en a déjà une sur la chaîne d'Enti, et une qui arrive sur la chaîne de Miss. Voilà, on a fait plein de petits trucs différents et variés, ça devrait vous plaire et vous faire passer un bon moment. Et aujourd'hui on est là alors pour un petit jeu qu'on a imaginé avec Lucas. Je fais un gros coucou parce que sans lui ça aurait pas pu être possible. Un jeu qui concerne un peu notre alimentation. Donc ça va être une vidéo qui va être assez marrante et en même temps informative. Je pense que vous avez déjà vu un petit peu sur internet et tout des sites ou des applis qui montrent qu'en fait ce que vous pensez être bon en fait c'est pas sain du tout, ou en fait ce que vous pensez peut-être être pas bon. Ça va briser des mythes. Ça va briser des mythes. Exactement. Donc l'objectif du jeu aujourd'hui, comment ça se passe? Lucas m'a préparé plein de petites photos. En gros vous avez tous envoyé une liste de courses à Lucas. 5 aliments, on a pas voulu faire trop. Il a été quand même assez exhaustif en nous disant il fallait des marques bien spécifiques. Donne 5 aliments que tu manges tous les jours, mais qui sont bien reconnaissables. En fait, voilà, des aliments que tu pourras acheter pour tes courses normalement. En soi, il y a plein d'aliments que vous utilisez au quotidien. Quoi. Exactement. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement que Lucas a pu voir sur ses applications, sur ses sites, si ces aliments étaient bons ou pas pour notre santé. Donc ça se base sur 3 critères, ça se base sur la qualité de l'aliment, sur le fait que ce soit bio ou non, et surtout, c'est ça qui détermine beaucoup, sur les additifs. Je fais les noms. Bien sûr, vas-y, fais les noms. Et en gros, il a fait un classement entre nos différents produits et celui qui aura les meilleurs points à la fin. Donc il y a des notes sur les produits qui ont été notées en fonction des sites. Et celui qui gagnera, et bien, sera celui qui mange le mieux, on va dire, en tout cas sur les produits. Et celui qui aura la moins bonne note aura un gage. On ne connaît pas, hein. Mais moi, j'ai une question aussi. Si c'est toi qui perds. Ah ben je le ferai le gage. Ah d'accord. Mais moi alors il faut que c'est un gage que je peux faire. Bien sûr c'est un gage que je peux faire. Je m'attendais à ce que le gage ce soir. Tu as une 2 sur la chaîne de l'autre. Ouais c'est ça. Pas du tout. Non ce n'est pas ça du tout. Il faut savoir évidemment que je n'ai pas vu leur liste, qu'ils n'ont pas vu la mienne, que je n'ai pas vu les images. C'est Lucas qui a tout préparé, donc je suis au final autant à poil que sur cette vidéo. Surprise. Voilà, donc il y a des images et on va pouvoir voir ça. Et puis je pense que ça peut être cool, on va se marrer et en même temps ça permet aussi bah voilà d'en apprendre un peu sur l'alimentation. C'est plutôt sympathique, un petit peu de pédagogie dans cette vidéo, c'est toujours divertissant, ça dénonce et tout. Exactement. Il est chaud, il est chaud. Exactement. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on ouvre le dossier? Ouais. Très bien, on va. Ça te dit pas? Non, pas tout. Moi ça me dit. Est-ce que c'est joli? C'est joli, Arjel. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est beau! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'avais pas découvert non plus. C'est joli, celui-là. Ça va, tu vois Miss ou pas? Ouais, ouais. Bon. Mais tu sais que c'est quasiment moi qui ai pris toutes les photos qui sont là? C'est vrai? Sauf la mienne. Celle-là, c'est toi, Miss. Et la tienne? Ouais, c'est pas la tienne. C'est vrai que c'est là, toi. Bon. Du coup, donc moi je suis vert. Toi tu es vert, moi je suis bleu, mais c'est. Voilà. Ce qui déroule l'écran, d'accord. Voilà. Vert parce que je suis LC, c'est ça? Je possible. Et rouge parce que toi t'es plus gras. C'est toi qui. Moi, c'est ça. Voilà, c'est ce que je déparle, quoi. C'est ça. Donc, écoutez, on va passer tout de suite à la première et on va voir du coup les premiers produits. Logiquement. Ça commence par. Oh, ok, bah ouais, mais bien sûr, il m'a montré de gros. Oh mon dieu! Alors, attendez. Alors, il faut savoir une chose, c'est que peu importe l'ordre, au final, vu que c'est l'addition des notes, ça donnera le même résultat à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors, des saucisses knacky. Mec, c'est trop bon. Ah, tu prends des saucisses? J'adore les saucisses knacky, gros. Très bien. Mais c'est en plus, c'est les seules saucisses knacky. Mais par contre, c'est des knacky poulet? Non, c'est des knacky normal. Parce que c'est des knacky 100% poulet là. C'est pas dommage. Parce que pour moi, justement, il faut prendre les knacky de Herta original, ça. Parce que les knacky Carrefour, elles sont pas ouf, quoi. Bon, écoute, c'est en tout cas. Alors, moi, par exemple, tu vois, quand je vois ça, les knacky pour moi, c'est un ordre. Pour moi, c'est complètement logique. Pour moi, c'est un ordre. Moi je pense que c'est pas forcément un bon truc. Ouais, moi je pense que mec, tu veux manger. Alors, la glace Ben & Jerry, il me semble. Non, le petit plaisir coupable. Il me semble que j'avais entendu dire pour les knacky que les knacky ball par exemple, c'est pas tu bon. Vois, c'est ceux où tu danses devant le. Ouais, tu shake, shake. Et ben, c'est pas forcément bon. D'accord. Il me semble aussi. Ah, si, framboise toi. Vas-y, tu voulais. Non, bah non, tu me parlais de la glace. Bah, la glace, mais j'ai parce qu'il m'a demandé des trucs que je mange tous les jours. Et en fait, moi je mange rarement de dessert. D'accord. Sauf de la glace de temps en temps. Et de la coupe, bah oui, bien sûr, la meilleure. Toi, l'Ice Tea, on m'a toujours dit que l'Ice Tea par rapport à d'autres sodas, ça allait à peu près. On m'a toujours dit ça. Est-ce que c'est en bois? Est-ce que c'est une légende ou pas? Je sais pas. Et moi, les pins, parce que moi, je mange des pins ce matin. Orange, c'est mon titre. Oui, orange. Ah oui, mais oui, framboise. Non, orange. Et ben je pense que les pims orange c'est pas si bon que ça. Ouais, d'accord. Non, moi je pense que par rapport à d'autres biscuits, franchement, ça va. Alors, c'est une note sur 100, donc on va voir combien on a sur 100. Chacun, vous êtes prêts? Vas-y. 2. Je suis sûr, j'ai 20. Ah non, je l'ai pas.
Ça veut dire qu'il doit y avoir tellement d'additifs là-dedans. Mais en même temps, le bien sûr. Mais dans les pins, ça fout qu'il y avait de l'orange. Ok, je vais changer mon. Alors, du coup, normalement, on va avoir un classement. Attendez, on va voir si c'est bien fait. Oh, c'est beau. J'adore, je suis à zéro. T'as vraiment bien, tu commences bien, tu sais. T'as vu? Franchement, j'ai démarré. Le karma, tu sens? Mais ouais, t'as bien le karma. Donc, pour l'instant, c'est Sora qui est en tête avec le premier animal. Mais le pire, c'est que je veux pas le gage. Mais le pire, c'est que en vrai, tu vois, genre, t'as des trucs, tu vas culpabiliser de fou. Maintenant, les pins, ça ne plus jamais les revoir. C'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va pouvoir des trucs qu'on pense à peu près bons. Bah au final, tu vois, on va peut-être s'en prendre et ouais, ça va démystifier des trucs. Non, mais tu vois, moi je me dis que finalement ça va, je mange de la glace Ben & Jerry's. Ça va. Je pourrais manger des pins, ouais, c'est vrai. Non, en vrai, moi je suis content de knacky, tu vois. On passe au deuxième tour. Vas-y. Alors, deuxième tour. Mais alors, je te jure, tu me défonces mon yop. Non, mais gros, ça me détruit ma vie, vraiment. Alors, vraiment, tu yop, c'est quoi? C'est ce que tu bois le matin, ce genre de choses tout le temps? Mais depuis que j'ai 6 ans, genre vraiment, en fait, je déteste le lait, mais le yop, j'adore ça. H24. Ok. Bon, boudou, le steak haché, le corps. Non, attends, moi je tiens à dire quelque chose. C'est pas n'importe quel steak haché. Ah, Charal extra moelleux. C'est le steak haché Charal extra moelleux original. Parce que c'est toi qui a donné cette. Et j'ai vraiment donné ça, cette appellation là, parce que c'est vraiment le truc. C'est-à-dire que les steaks hachés Charal sont bons. Mais les steaks hachés extra moelleux de chez Charal, ils sont excellents. Mais ils sont super bons. Ils ont un goût. J'ai jamais entendu ce goût là, parce que déjà on sent le goût, on l'entend pas. Mais vraiment. Pour rappeler d'ailleurs qu'il y a rien de sponsorisé. Oui, ah oui, évidemment. Il y a le steak Charal, t'as pas sponsorisé la vidéo. Évidemment, le mec il parle, mais comme si c'était. Mais le Graal quoi, tu l'as vraiment. Elodie, le cordon bleu. Moi j'aime bien, il y a du fromage, c'est bon. D'accord, merci Elodie. Non, mais le cordon bleu, c'est un classique. Et justement, ça reste un classique. Bah, c'est en fait, moi c'est en complément de mes pimps. Vous êtes prêts pour les résultats? Là, franchement, en soi, en vrai, pour moi c'est le cordon bleu. Non, pour moi, le jus d'orange, tu gagnes 100%. Tu penses? Mais tellement ça. Pour moi, celui qui perd, c'est le cordon bleu. Pour moi, le jus d'orange, t'es à 80. Vous êtes prêts? T'es à 80. Pourquoi? Ça marche pas! C'est fini. Attends. Oh, je suis à 50 quand même. Ton yop, mais pourquoi? Mais mon yop, mec. Parce que je pense qu'il y a trop de trucs chimiques dedans. Mon yop, mais c'est mal. Eh, t'avais raison pour mon jus d'orange, mais t'es pas loin avec ton steak caché. C'est vrai. Et bah, vous voyez, je vous ai dit, il est extra moelleux. Je pense que toi, je suis désolé. T'as eu le même sort que mes pimps. Il y a pas la preuve. Mec, j'ai eu 0 sur 100. C'est pas le même sort, il a 33. Ouais. Car moi, je suis quand même des points. Au final, quand tu avances, regarde, tu es toujours. Ah, c'est Enti qui est en tête. Oh, c'est Enti qui est en tête. Je rappelle que ce n'est pas nous qui ont fait le classement, c'est pas en direct, ça a été préparé avant. Est-ce qu'à la fin il y a des bonus et on gagne des étoiles? Non, ça c'est genre ta vidéo la bonus. Ce n'est pas dans la vidéo, tu connais pas dans la vidéo. Produit suivant. C'est serré là pour le coup, franchement. Ouais, pour le produit suivant, attention. Ouh. Moi je vais prendre cher. Oh là là là. Vous avez pris la risque. Des pâtes. Bah oui, des pâtes. De ce que t'achètes. Je mange des cookies tous les jours. Moi je bois du lait tous les matins. Moi j'aime le risque. Moi c'est mon dessert. Toi j'avoue. Ah, velouté, je peux prendre cher. Alors parce que pour moi velouté, attends, velouté pour moi c'est un yaourt genre qui est ça, c'est un petit yaourt. Mec, t'as pris le velouté fruits. Oui. C'est-à-dire celui où il n'y a pas de morceaux. Ouais. C'est ultra chimique ça. Ah putain. Mais c'est ce que je prends. C'est balisto. En vrai, il y a des morceaux. Alors apparemment les balistos c'est pas si mauvais que ça, je crois. Eh ben écoute, on va voir, t'as raison. Les coquillettes, les pâtes. T'as 0 sur 5. Et moi c'est du. Alors attention, pour le lait, attention, au niveau du lait. Encore une fois. Moi je prends du lait frais, c'est-à-dire le lait qui est... papy. Non mais le lait qu'il y a au rayon frais, pas le lait que vous trouvez par pack de 6 et qui est à température ambiante. Okay. Parce que le lait frais, il est beaucoup mieux parce qu'il est pas... on va voir. On peut péter les notes. Oh la vache. Mec, tu prends... Oh là là. C'est sûr que j'allais prendre cher. Mais ça doit être dégueulasse ton truc. C'est pas mal, mais c'est que le pire, c'est bon. Elle pèse de ouf. Moi en fait, moi ce que je me demande limite, qu'est-ce qu'il fait? Il en a sur lui, je suis sûr. Mes balistos, ils sont là, gros. J'en ai, mais je rigole zéro, mec. Regarde, regarde. J'ai mon balisto, il est juste là, gros. Vas-y, montre le truc que tu as. Est-ce que tu penses que ça a une Je pense que balisto, c'est mieux. Allez, tu t'imagines. Ça, c'est mieux. Ça se trouve, c'est mieux. Impossible, Nutella, c'est mieux. Bon, bah, Miss. Mais alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi Miss, elle a que 90 sur 100. Je sais pas, parce que c'est peut-être pas des pâtes fraîches. Ouais, ou des pâtes complètes. C'est pas des pâtes bio. Je sais pas. Il y a des trucs bio. Je sais pas. Alors, sur lui, il a toutes les explications et tout, mais pour simplifier, sinon c'était. Mais de toute façon, tu mettras. Tu
mettras des petites séquences facecam de Rat qui expliquent à chaque fois pourquoi. Non. Non. Ce serait drôle d'avoir un petit Rat qui peut comme ça. Tu prends la tête, elle prend la tête. Moi j'ai pris des risques, les gars, j'ai pris des risques. Je me suis dit, j'ai pris des choses qui sont. Ah, mais je veux prendre des choses que tu manges. Mais c'est juste que t'as une alimentation dégueulasse. Mais non, en fait, j'ai dû prendre des risques sur la suite. Des trucs controversés. Je dis, allez, vas-y, je prenais. Mais moi, vous savez que le reste, je pense que c'est plus fin encore. Oh, mais. Bah, je sais pas, c'est des choses. C'est plus fin. Plus sain. Plus sain. Je sais pas. Plus sain. Je sais pas, on va voir. Il reste deux produits. Alors. Ah, bah là, c'est, moi, je suis un peu du niveau de Miss, là, pour le coup. Moi, j'ai mis du riz parce que je mange du riz. Ah, oui, mais là, tu vois, regarde, t'as vu ce que j'ai mis quand même. Coca-Cola, ouais. Zéro. Bah oui, parce que je ne bois pas du normal. D'accord. Parce que, ben, dans le zéro, il y a du zéro calorie. Okay, enfin, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a zéro calorie. C'est vrai, il y avait du saucisson. Mais mec, saucisson, c'est bon, saucisson. En fait, toi, t'es venu pour te faire un pique-nique. Mais moi, je me suis dit, le concept, c'est genre, tu prends des aliments, genre, regarde, tu sais, bon, tu vois, mais c'est controversé. Tu te dis, ah non, mais non, justement, ça se trouve le riz c'est grave contre le mais toi, regarde, il y a 5 produits, c'est simple. J'ai pris mon petit déj avec une boisson, un dessert et après un. Mais mec, j'aurais pris des pommes. Mais non, j'aurais pris des pommes. Est-ce que t'en manges? Mais oui. Eh ben alors voilà, c'est ça. Moi je te dis ce que je mange quasiment tout le temps. Et moi c'est comme ça que j'ai mangé beaucoup en attendant, donc finalement c'est peut-être. Moi c'est la base de mon alimentation là, ce que je voulais. Est-ce qu'on peut parler des cornichons de Nice? Bah les cornichons. Genre tu tapes dedans. Non mais les cornichons. C'est sous-côté. Je pense que les cornichons c'est très bon pour la santé. Moi c'est Coca Zéro. Ça fait pas grossir. Coca Zéro, j'ai très hâte de voir. Coca Zéro, j'ai hâte de voir. Ça fait pas grossir, ouais. Mais elle regarde le Coca 41. Je vais continuer à boire du Coca. T'imagines? T'as pas la moyenne. Non, mais moi je bois 10 litres de coca et je prends pas tes pims, hein. Mais comment j'ai pu avoir 0 sur 100? On en reparle de ça. On en parle que les cornichons c'est 51, c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, le riz c'est le même score que tes pâtes, 90. Ouais, mais ça par contre, tu vois, au niveau du riz, je trouve que c'est cheaté. Parce que c'est vrai qu'avoir mis du riz et des pâtes. Ah bah écoute, c'est quand même la base d'une alimentation. Pour moi, tu vois, genre le coca était pire que le. Demain j'ai un cancer, les gars. Moi je suis en tête. Les gars, j'ai perdu. Mais bien sûr, t'as mis quoi après? T'as mis des gnocchis? J'ai mis de la viande, comme toi t'as mis de la viande. Ouais, mais la viande ça va être bon. Bah écoute, on va voir. Alors, moi c'est le pire. Alors, à la fois, tout le monde il a mis des gâteaux, lui il a mis des escalopes. Non, mais là c'est juste le montage qu'il a fait, il aurait fallu mettre mes pims là en fait. Je me suis dit, non. Mais attends, regarde, non, mais là il aurait fallu mettre mes pims là dans le montage, c'est juste que voilà. Alors attends, non, mais enfin, tu sais quoi, on fait une revanche, on fait une pomme viande. Mais tu sais qu'on pourrait faire une revanche aussi. Mais ça va, regarde, là on est tous. Attends, on a hésité aussi à mettre des produits genre. D'autres, du shampoing, du gel et tout, on pourrait mettre des trucs comme ça aussi pour une prochaine vidéo. Bah c'est pas bon, hein. Enfin, faut pas manger, Je vais partir en négatif, ça va me faire moins 5 sur 100 là. Le shampoing c'est pas bon pour la santé, écoute, hein, c'est zéro. Si tu veux, Miss et moi, on enlève nos 90 de pas terrible, je trouve ça cheaté. Non, au score final. Mais non, on les enlève pas. Non, c'est le jeu ça. Écoute, parce que nous, faudrait qu'on enlève quoi? C'est le jeu. Quoi? Rat, t'as oublié un 10. Mais quoi, mec, c'est mon sur 100, JPP. Mec, oh, c'est bon. Excuse-moi, t'as 0 sur 100. T'as 0 sur 100. Il va chercher celle qui va le chercher. Je suis désolé, mais mes filles. Mais elles sont très bonnes. En plus, regardez le packaging, il est blanc et tout. Mais il doit y avoir ma salité. Regardez comme c'est bon. Il doit y arriver à les jeter. J'en ai mangé 4 ce matin, je vais avoir un cancer. Alors, on rappelle juste. En plus, il y a écrit pur beurre. Pur beurre. C'est pur. On rappelle que ça a été fait sur des sites et des applis de nutritionnistes et tout. Elles sont nulles, tes applis. Mais non, mais tu sais, c'est des trucs genre Yuka et tout. Bah, elles sont nulles. Comment ça s'appelle? Yuka. Attends. Du coup. Est-ce que on découle le classement final? Bah ouais, c'est rigolo ça. On se demande bien qui va perdre. Attends. Hein, le suspense est à son comble. C'est serré. Alors mec, regarde, je veux bien te faire une fleur si tu veux. Regarde, si Miss et moi on enlève nos 90, on est quand même devant toi. Mais vous êtes pas devant moi. Assis-toi. Toi, t'es moi, oui, moi je suis devant toi. Dis-moi qu'il y a encore un tour. Non, c'est fini. Mais mec, je me passe en. Il a même pas 100. Et en plus, tu connais pas. Mais en plus, le gage pour toi, c'est tellement beau. Pourquoi? Oh là là, mais tu connais pas le gage. Mec, s'il te plaît, fais pas un truc hardcore, pitié, mec. Je suis fière de moi, je pensais que c'était celui qui mangeait le plus mal. Mais alors, moi ma question, oui. Est-ce qu'on peut essayer de deviner le gage? En fait, vous avez droit à une proposition chacun. Alors, est-ce qu'on peut poser des questions par vous ou non? Non. Est-ce que c'est un gage qui va devoir réaliser dans cette vidéo ou est-ce que c'est un gage qui va être plus tard? Ah, c'est plus tard. Voilà. Alors moi j'ai une idée. Dis-moi. Je pense qu'il va devoir faire une vidéo. C'est pas une vidéo. Sur sa chaîne. C'est pas une vidéo. C'est une photo Insta. Non, c'est pas une photo Insta. Montrer son alimentation pendant une semaine sur les réseaux. Et bien manger.
pendant une semaine, un truc du style. C'est exactement. C'est vrai. Tu vas devoir bien manger pendant une semaine. Ce que tu vas devoir faire, le gage, c'est que pendant une semaine, tu vas devoir manger sain et le prouver avec des Insta stories pour tous tes repas. Et si possible, le petit lien swipeable pour ma vidéo à chaque fois, ce serait gentil, merci. Pour que les gens comprennent le contexte. Ah ouais, parce qu'en plus, pour montrer ça, tu vas mettre mon Instagram dans la compétition. Bien sûr, donc ça fait. Donc allez vous abonner à l'Instagram de Sora, ça lui fait ça tout le temps. Et bien entendu, à chaque fois qu'il postera une story, bien sûr, tu la restoriseras dans ta story. Tu la restoriseras. Bien sûr, je la restoriserai. Genre matin, midi et soir. Oui, mais des fois, je prends même pas de petit déj. Tu fais rien alors. Tu fais rien. Mais quand tu manges. À chaque fois que tu manges, tu dois prendre. On veut des légumes et tout. Bien sûr, tu dois manger ça. En tout cas, ce qui te paraît ça. Pendant une semaine. Enfin, tu démarres quand tu veux, mais tu tardes pas trop. Par contre, je connais, du coup, c'est des fois, je suis pas là. Voilà. Attention, parce que la semaine prochaine, je pars. Mais c'est vraiment 0 sur 10 en plus. Mais tiens, tu vas qui monter ou quoi? D'accord, ok. Bah, franchement, des fois, je saute des repas, ça m'arrive. Non, mais ça va, je vais essayer de m'y tenir le plus. Ok. Je prends. Je pense que c'est un bon. C'est ma morale. Mec, reviens. Mec, tu vas le rendre parano, mais comme jamais, mon gars. Ça, c'est bon. Le thé, c'est bon. Mais oui, le thé. Mais je pense que c'est un bon gage qui fait une bonne morale à cette vidéo. C'était le but. En fait, je suis arrivé vers Lucas, je lui ai dit bon, faut qu'on trouve une idée de vidéo qui est drôle et en même temps qui a une bonne morale. Et je pense qu'elle a une bonne morale. Et finalement, je te l'avais dit. Le Nutella c'est meilleur que mes madeleines. Vous allez me faire croire, combien c'est 30. Mec, c'est meilleur que mes saucissons. Mais du coup, oui, en plus, c'est sûr que c'est toi qui perds. Mais j'avais pas vu un Nutella, mais vu comment tu bouffes des fois sur Insta, je me disais bien. Il m'a dit, j'ai vu tes stories Insta, tu bouffes comme un porc, sûr que tu perds. Mais oui. Non mais c'est très intéressant qu'Anti soit allé vérifier avec l'appli, comme ça, ça veut dire. Pomme, c'est 30. Ah mec, mais c'est bon, il est parti, on met ça. T'as perdu mon gars, c'est fini. C'est très intéressant, mais ça prouve que c'est pas fake, c'est-à-dire c'est pas, on n'a pas sorti ces chiffres. Dis pas pour l'alcool. Ah bah écoute. Ça doit être bon, hein. Bon, bah, je vais aller finir sur le trône. Mais du coup, voilà, au moins, s'il y a des conneries qui se sont dites, c'est la police, c'est pas nous, hein, en tout cas. Mais du coup, j'attends, essayez, jouez avec ça, ouais. C'est pas sponsor, mais pour la mettre dans la description, vous pouvez essayer. Et genre, scaler des trucs où vous vous dites, ouais, c'est grave pour la santé, vous verrez que des fois, vous aurez des surprises. Moi, je prends pas un pion mouillot. 8! Ça c'est comme Ouais, 8. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait kiffer. J'espère qu'elle vous aura appris des trucs aussi, c'était le but. Ça vous aura plu? Bah, ouais, en vrai, c'est quand j'ai expliqué le concept, j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Et en vrai, c'est super drôle. Mais je te l'avais dit. En vrai, c'est super drôle. Vous m'appelez, si vous avez besoin de choses et tout. C'était cool. Je vous rappelle qu'il y a 3 autres vidéos qui vous attendent sur la chaîne de Sora, de Miss et de NT. N'oubliez pas de liker si vous avez kiffé, de partager, de vous abonner et aussi d'aller suivre évidemment. Mais du coup, ce sera à partir du moment où la vidéo est postée. Ah oui. Donc ça va, tu peux encore manger fat jusqu'à. Donc toi, tu la sors quand? Samedi ou lundi. Comme ça, je commence. À partir de lundi. Allez, ouais, lundi. T'as une semaine pour manger bien gras. Pour les courses surtout. Par contre, après, faudra que tu fasses une vidéo. Tu sais, tu fais une vidéo, toi, mon débrief après une semaine. Mais mec, que dalle, on n'a rien du tout. Mais non, mais si tu fais ça, je trouve ça marcherait trop bien. Une semaine sans manger gras. Merci beaucoup, on vous dit à très vite. A bientôt. Salut. Hélène, c'est 0. Par contre, c'est Peach au chocolat avec du putain de chocolat dedans. Ça débat encore. Hein. C'est roux. Pour moi, c'est un pain au lait. Ça veut dire qu'en gros, l'application te dit le cookie, c'est le cancer. C'est ça. C'est vraiment, tu manges ça, c'est roi. C'est exactement ça.